Oui, quel est votre sentiment d'être l'initiateur de ce projet grandiose, spécial et vraiment unique au monde? Écoutez, d'abord, je voudrais vous confirmer que je suis l'exécutant d'une décision royale. C'est Sa Majesté qui a donné des instructions pour pouvoir doter Rabat d'une exposition dont le monde entier parlera. Et je peux vous dire, sans une lambre d'hésitation, je suis très ému de voir ce qui a été fait ici par les Marocains, pour les Marocains et pour les étrangers, une biennale exceptionnelle, une biennale digne des plus grandes biennales du monde, dont on parlera aujourd'hui, avec la liberté voulue, donnée à la fois aux artistes et aussi au commissaire pour son choix. On a insisté pour que ce soit un lieu de liberté. Ce lieu de liberté qui est l'art et le musée, c'est sa maison. Donc, tous les lieux de Rabat seront là pour pouvoir donner la possibilité aux artistes du monde pour parler d'amour et de paix, et d'art surtout, et de culture. Alors, il y a peut-être d'abord une précision à dire, c'est que la Biennale, c'est d'abord un grand archipel dans lequel il y a l'exposition internationale dédiée aux femmes, il y a une carte blanche pour Mohamed El-Bez, il y a la... et tout ça, c'est la Biennale. Nergis Nadjar pour le cinéma, et Sana Alrouati pour la littérature, et puis un travail avec les street artistes au parc Hassan II. Pour l'exposition internationale, le choix des artistes femmes s'est fait pour réparer d'une certaine manière une injustice, c'est-à-dire ce que je disais dans mon premier texte, s'acquitter de sa dette. Et la question de l'injustice faite aux femmes, si on sort du domaine artistique, elle est anthropologique et historique. Il n'y a aucune société qui échappe à ça. Il n'y a pas de déterminisme sur cette question. Mais quand on rentre dans l'histoire de l'art, c'est une question plutôt d'écriture de l'histoire de l'art et de faire en sorte que tous les artistes, toutes les artistes, aient leur chance d'être écrits dans ce récit qui est toujours un récit global. Et le but, c'était de donner au Maroc les conditions d'une plateforme qui, tous les 2 ans, réfléchit à cette question de l'histoire de l'art et de son écriture et privilégie prioritairement l'invitation de ceux qu'on invite peu ou moins. Et j'espère qu'à terme, nous réussirons cette nouvelle écriture. En tant que commissaire professionnel qui a fait beaucoup de biennales et d'expositions, est-ce que vous êtes satisfait de cette biennale d'une manière globale ou il y a quelque chose qui manque et qui pourrait la rendre mieux que ça? Je ne suis pas. Ce n'est pas une question de satisfaction, je suis heureux de cette biennale. Parce que je voulais à tout prix que cette biennale, dans toutes ses dimensions, soit belle. C'est de rétablir cette idée claire que quand les œuvres s'exposent, elles posent cette question de la beauté du territoire et de la beauté de l'espace qui les accueille. Et qu'à l'intérieur de cette beauté, à l'intérieur de cette générosité des œuvres et des espaces, le spectateur peut être interpellé. Il peut se poser toutes les questions possibles. On dit dans notre langue maternelle, li kulli maqamin maqal wa li kulli makanin harma. Donc ça veut bien dire qu'il faut préparer les espaces pour que les mots soient prononcés. Et une exposition doit être à la hauteur des idées que les spectateurs amènent. Et je pense que les Marocains se sentiront très accueillis dans cette biennale, parce que, ils sont accueillis dans le 21e siècle au musée Mohamed VI, ils sont accueillis dans leur 17e siècle, Qasr al-Oudaya, ils sont accueillis dans leur 19e, 20e siècle, Qasr al-Bahr, le Fort Rothenburg, ils sont accueillis dans l'interprétation européenne de notre esthétique à la Villa des Arts. Donc chaque lieu, en fait, comporte une partie de l'histoire de cette ville et au-delà de l'histoire de ce pays. Donc nous exposons des œuvres qui viennent du monde entier, mais chez les gens, alors il faut quand même le faire avec égard. Et nous avons abouti cela. De ce point de vue, je trouve cette biennale belle et je suis très heureux de ça.